Mais avant toute chose, et comme vous m'avez agrippé la veste dès minute 1 du live, eh bien, je vais vous donner mon avis sur le film Bob Marley One Love que j'ai regardé hier soir au cinéma. Moi, j'attendais de fou le film Bob Marley, donc sur Bob Marley qui s'appelle One Love, qui a été produit entre autres par Brad Pitt, je le savais pas, mais qui a été aussi co-construit avec certains membres de la famille de Bob Marley, dont sa femme à l'époque, qui s'appelle du coup Rita, qui est encore vivante, elle. Et du coup, j'attendais de fou de pouvoir aller voir ce film, parce que moi, je suis hyper fan de Bob Marley depuis très longtemps. J'avais trop hâte d'avoir un film sur sa vie. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je crois que c'est dans les salles depuis 2 semaines, je crois. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je suis un petit peu mitigée. Parce que, en fait, en gros, on arrive dans la vie de Bob Marley, déjà à l'âge adulte, et au moment juste avant où il s'est fait tirer dessus lors d'un concert. Bon, vous n'allez pas commencer à dire spoil, pas spoil, etc. C'est la vie de Bob Marley, hein, donc si vous avez écouté Marley de Dana Kill, je pense que vous avez les infos. Voilà, c'est la vraie vie. Donc, à un moment donné, Bob Marley a fait un concert en Jamaïque. Il s'est fait tirer dessus pendant le concert et il a été blessé, mais il était encore vivant, évidemment. Donc voilà, ce fameux attentat pendant son concert, quoi, finalement. Il est né dans une famille modeste. Son prénom, c'est Nesta et personne ne le teste. Et en fait, d'ailleurs, c'est hilarant parce que je me suis retenue de rire au tout début, parce que du coup, la chanson de Dana Kill, ça commence vraiment par, qui est hyper connue et écoutée par beaucoup d'ados de ma génération en tout cas, c'est je suis née dans une famille modeste, et du coup, le film commence et je dis, tu vas voir, ça va commencer par il est né dans une famille modeste, et genre, je vous jure sur tout ce que j'ai qu'il y a un écran noir avec marqué « Bob Marley est né dans une famille modeste ». J'ai hurlé intérieurement parce que j'étais au cinéma et que les lumières se sont éteintes, etc. Je vous jure que le premier truc qu'on voit du film, juste après le Paramount Reggae, c'est vraiment un écran noir avec marqué « Bob Marley est né dans une famille modeste ». Je me suis pété le crâne de cette information, sachant que je venais juste de dire « Je suis né dans une famille modeste ». Le traducteur qui est méga fan de la musique de Dana Kill, j'en revenais pas, quoi. Merci Dragon pour le 3e mois, merci beaucoup. Bon, je suis mitigée sur le film, c'est pas que j'ai pas aimé, attention, pas du tout. J'ai passé un beau moment, de toute façon, en général, au cinéma, même si j'ai pas été convaincue du film, je suis toujours team, j'ai passé un bon moment, j'ai vu ce film, c'était cool. À part Oppenheimer, où là, vraiment, je me suis dit, j'ai perdu mon temps. En général, c'est rare que je me dise « Ok, je perds mon temps, là, je suis en train de perdre mon temps. » Donc, ça commence au moment, vraiment, c'est l'avant-veille où Bob Marley va se faire tirer dessus à ce fameux concert One Love qui a lieu en Jamaïque. Merci beaucoup, Asbel, pour le 3e mois d'abonnement. Merci infiniment. Et en fait, j'avoue que j'ai un peu été prise de court. Donc, en gros, on commence là. Donc, il est déjà adulte, de 1. Et il est déjà Bob Marley, en fait, de 2. Donc, il est déjà une star. Peut-être pas une star internationale encore, tout à fait, mais c'est déjà une star. Et ensuite, on a sa vie de ce moment-là précis, donc quelques jours avant le fameux attentat de... Enfin, là où il s'est fait tirer dessus, en tout cas, pendant son concert One Love, jusqu'à son décès. Et en fait, on n'a pas... Bon, ça, je comprends et genre, je trouve ça même mieux. On le voit pas, entre guillemets, mourir. Enfin, voilà, ça s'arrête et puis il y a un écran noir qui dit qu'il est décédé, telle date, etc., etc. Donc voilà. Mais je suis un peu deg parce qu'en gros, le film est parsemé de flashbacks. C'est-à-dire qu'on va le voir enfant à 4 ou 5 reprises. Vraiment des flashbacks qui sont assez courts, moins d'1 minute à chaque fois, je pense.
Et on va voir un peu comment il a rencontré sa femme. Mais on verra pas vraiment son enfance, à proprement parler. Et puis, au final, j'ai trouvé que ça allait vite, qu'il y avait beaucoup d'ellipses et que ça manquait un petit peu de... d'informations sur lui, je trouve. Je trouve que, ok, je comprends le fait d'avoir voulu se concentrer sur un aspect de sa vie, sur un moment de sa vie, plutôt que de raconter linéairement sa vie, d'accord ? Oui, je le comprends. Mais je suis quand même restée un petit peu sur ma faim, parce que quand on commence le film, en fait, c'est déjà Bob Marley. Donc oui, d'accord, on a quelques petits flashbacks, etc., évidemment. Mais bon, c'est pas non plus le... Je sais pas, je trouve que ça a manqué de moments. Par exemple, à un moment donné... Enfin, il y a une scène où il parle à sa femme, Rita, et en fait, sa femme lui dit qu'il a... qu'il fréquente d'autres femmes, et elle aussi fréquente d'autres hommes. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que Bob Marley, il a 11 enfants. Dans le film, on ne voit que ses deux premiers enfants, quasiment. Enfin, je pense même pas que ça soit ses premiers, mais on voit que deux de ses enfants. Dont Ziggy, hein, Ziggy Marley, du coup, qui lui aussi est un chanteur, qui a fait un groupe avec son propre frère, du coup. Et en fait, ben, j'ai trouvé que c'était un peu... Je me suis dit, ah, il a 11 enfants, mais ça, en fait, on ne les voit pas, on ne connaît pas leurs relations. Merci Arjab pour le 46e mois, merci beaucoup. Merci infiniment Arjab. Ça fait 4 ans que j'attends de pouvoir fêter mon resub le 29 février. T'as vraiment sub un 29 février, Arjab ? Et du coup, voilà, j'étais un peu sur ma faim parce que je me suis dit, en fait, on voit pas vraiment toute sa vie. Et là, je me suis dit, c'est quoi la limite quand c'est la famille qui produit le film ? Parce que d'un côté, tu te dis, c'est bien, la famille, elle a produit le film, je sens que ça va être fidèle à la réalité. Et de l'autre côté, tu te dis, mais d'accord, mais ils vont lisser sa vie. Ils vont peut-être pas montrer... certains côtés de Bob Marley où ils vont peut-être pas montrer des trucs qu'ils ont pas envie de montrer qu'ils estiment peut-être moins glorieux ou j'en sais rien et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que on n'a pas vraiment eu certains détails qui auraient pu être selon moi intéressants. Merci Paulinho pour le 19e mois. Voilà, c'est là que je me suis dit c'est un peu la limite de quand la famille produit le biopic, voilà. Et ensuite, je voulais aussi dire un autre truc, c'est que j'ai trouvé la prestation des acteurs très bonne. L'acteur principal, parfois c'est perturbant même à quel point il ressemble à Bob Marley. À la fin du film, vous avez quelques petites vraies images, des vraies images de Bob Marley et de son groupe. On voit que le choix des acteurs, il est assez fidèle, je trouve. Et bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai passé un bon moment. Je suis quand même un peu restée sur ma faim parce qu'en réalité, on n'a qu'un pan de sa vie et que, on aurait aimé en savoir plus parce qu'au début du film, je pense que les 45 premières minutes, je me suis demandé quand est-ce que ça allait commencer. Par exemple, on a vite fait un flashback sur comment il est rentré dans son label et comment il a séduit son label pour commencer un peu dans la musique, quoi. Et puis, en fait, ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Et tous ces moments flashback, parce que j'ai trouvé ça intéressant de dire, ok, on se concentre sur un pan de sa vie et on montre des flashbacks de son enfance, de son adolescence ou de quand il était jeune adulte. Bon, en réalité, il est jeune adulte. Hein. Bob Marley est décédé à 36 ans, hein, donc c'est extrêmement jeune, mais plus jeune que ça, en tout cas. Et il y a eu quelques petits moments, mais je restais un petit peu sur ma faim, j'avoue. Voilà. Ça, c'est pas très ratus. Merci Duke Fleet pour le Prime. J'ai quand même aimé, il y a quelques sessions où on le voit faire de la créa en musique. Donc il est en résidence avec son groupe de musique et il se dit « Ok, il y a ça qui m'a inspiré, telle musique m'a inspiré, d'accord. » Et genre ils font des jams. Et puis ça, j'ai trouvé ça trop intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Tout le moment sur son label est hyper intéressant parce qu'ils ont dû se battre avec son groupe pour les droits, etc. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Ah bah ça n'a pas été abordé dans le film du coup. Parce que son label, il y a...
il y a que à deux reprises, je crois. On le voit avec son ancien label pendant quelques minutes en flashback. Et on le voit avec son nouveau label, donc dans le présent. Et ça, c'est plutôt des scènes qui sont en vrai assez intéressantes, j'avoue. J'aimerais bien savoir quelle est l'implication réelle de la famille avec le cinéma. C'est toujours compliqué. Je sais pas du tout, ouais. Donc voilà, un peu comme dans Bohemian Rhapsody, où ils ont lissé le fait que Freddie Mercury se droguait. Oui, mais on le comprend quand même, tu vois. Et moi, personnellement, avec Bohemian Rhapsody, du coup, le biopic sur la vie de Freddie Mercury, bah, je l'ai trouvé mille fois meilleur et j'étais mille fois plus dedans que pour le biopic de Bob Marley, alors que je suis fan de Bob Marley et que Freddie Mercury, c'est pas que je suis pas fan de lui, j'adore ce qu'il fait, mais je suis pas particulièrement fan. Donc pourtant, j'étais vachement plus dans Bohemian Rhapsody et j'étais vachement plus à donf dans Bohemian Rhapsody, alors que je m'en fous un peu sur le papier de Freddie Mercury. Alors que vraiment Bob Marley, j'attendais un truc de ce film, quoi. L'impression que les biopics actuels se focusent de plus en plus sur des mini-passages que sur un historique complet, à l'image de Ferrari par exemple, où dans le film le gars est tout de suite au sommet niveau bagnole. Dommage. Bah, je l'ai pas vu du coup, mais je comprends ce que tu veux dire. Je lis vos messages, hein. Du coup, Madame Mime, qui tu l'as vu aussi, perso, c'est un truc que j'ai bien aimé, que le film soit très contenu et se concentre que sur une période particulière. Bah, moi j'avais l'impression que ça commençait jamais vraiment. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que ça commençait jamais trop. Et puis c'est dommage de pas avoir vu le avant être connu, tu vois. Bon, dans tous les cas, il faudra que je regarde la vidéo de Seb sur l'histoire de Bob Marley pour me faire un peu une petite idée de ce que j'aurais aimé voir dans ce film en termes de biopic, parce que je l'ai pas regardé. Mais tu vois, moi, quand j'ai regardé Bohemian Rhapsody pour la première fois, j'étais à donf dedans, alors que, comme je vous l'ai dit, j'étais pas si fan. Là, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'aurais aimé qu'on aborde d'autres aspects de sa vie. Et faut savoir aussi un truc, c'est que c'est quand même très tourné autour de la musique. Bon, par exemple... Waouh. Merci Soupopistou pour le 48e mois d'abonnement niveau 3. Merci beaucoup, déjà 4 ans. Merci, merci. Je disais... Qu'est-ce que je disais? Je ne me rappelle plus... Ah, par exemple, dans les premières dizaines de minutes du film, on entend au moins 4-5 chansons de Bob Marley. J'ai trouvé que c'était un peu rapide. Parce que certes, c'est trop bien de faire du fanservice et de pouvoir montrer, enfin faire entendre les musiques de Bob Marley pendant un film sur Bob Marley, et c'est trop génial. Mais dans Bohemian Rhapsody, on fait monter cette tension et on entend les premières notes et on est trop content quand ça pète et que tu reconnais le son, tu vois. Là, vraiment, dans les, ouais, je dirais 10-15 premières minutes, ils enchaînent les sons de Bob Marley. Et t'es en mode, oui, bon, on a compris, on est en train de faire un tour sur la playlist Spotify, le meilleur de Bob Marley, ou comment ça se passe? Parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans un biopic sur un musicien, c'est que bah, on peut utiliser son média, donc bah, la musique, mais tu fais monter la tension, tu entends les premières notes, et t'es en mode, c'est là, c'est maintenant, ça arrive. Et là, ouais, voilà, on a appuyé lecture sur la playlist This is Bob Marley, et ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Bon, ça, c'est pour le côté négatif. Sinon, j'ai trouvé quand même que c'était très émouvant. Je pensais que j'allais pleurer, j'ai pas pleuré au final. J'ai trouvé que les acteurs étaient très bons. Je pense qu'en plus, pour incarner Bob Marley, surtout sur scène, ça doit être pas simple, parce qu'il est quand même animé par un certain truc sur scène. Qui est assez fou, et du coup je pense que ça doit pas être évident de l'incarner. Je trouve que les acteurs sont, le casting est bien choisi, et puis en fait c'est vraiment un slice of life, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu en mode quand est-ce que ça commence, parce que bah, c'est un biopic et que sa vie est pas tout le temps méga trépidante et tout le temps méga intéressante à documenter, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment de moments, j'ai pas fait exprès, de sa jeunesse, de son enfance, vraiment quelques-uns. Mais voilà. J'ai pas regardé, moi, le biopic sur Elton John. Et je l'ai vu en VOSTFR, ouais. Salut, Lia Brico. Donc voilà mon avis sur le film Bob Marley One Love, qui est davantage un moment de la vie de Bob Marley. On voit pas vraiment comment il est devenu Bob Marley, très rapidement, mais c'est pas trop expliqué, quoi. Je verrai la vidéo de Seb sur l'histoire de Bob Marley, peut-être pour me dire, bon, peut-être qu'il aurait fallu mettre ça dans le film, ça c'est vraiment très subjectif, attention.
mais j'ai pas passé du tout un mauvais moment, j'ai trouvé ça cool. Et puis ouais, c'est assez fou. C'est assez fou sa vie finalement. Et puis ça m'a juste donné envie de me renseigner encore plus sur le sujet, quoi. Voilà. Voilà pour mon avis sur le film de Bob Marley que je suis allée voir hier soir et que j'attendais pas mal.